Coucou tout le monde. Voilà le final de ma participation. Donc parce que je vous ai fait le tuto juste avant et j'ai fignolé pas avec ce petit foulard Pareo sur ma tête. Donc je vous explique tout ça. Donc c'est ma participation au concours de Misty Maniac. Donc voilà un petit papier. Donc je suis désolée. En fait j'ai pris des crayons au maquillage et il y avait à force d'écrire avec, mais plus de assez de crayons pour écrire. Donc participation de concours Misty Mania cocktail d'été Swan en 1988, c'est moi. Donc voilà mon papier, je pense que pour les photos je vais refaire le papier, mais bon voilà. Donc que je vous explique tout ça. Donc le foulard dans mes cheveux, c'est un Pareo qui vient de la Guadeloupe, il y a la carte de la Guadeloupe et tout, c'est mon chéri qui me l'a ramené, bref. Et donc il y a les couleurs de l'été, puis ça rappelle bien l'été, les couleurs chaudes, et puis c'était un pays chaud là-bas en plus. Donc voilà, j'ai mis ça, puis j'ai voulu mettre des boucles d'oreilles, mais bon, je me suis dit que comme ça, c'était assez comme ça. Donc pour le maquillage, comme je vous expliquais dans le tutoriel, j'ai utilisé du Cic, j'ai utilisé du ELF Eyes Lip Face, pardon. J'ai utilisé quoi encore? Voilà, pour les couleurs, c'était ça. Donc voilà. Moi, c'est une représentation des couchers de soleil en été. J'adore ça. C'est magnifique. Je trouve ça super joli, surtout sur le bord de la mer et tout. J'ai pas la chance d'avoir la mer à côté de chez moi, mais. Ici, en Île-de-France, nous avons quand même des beaux ciels d'été en été. Et donc, ça m'a très inspirée. Donc, il y a du violet clair foncé, il y a du rose, il y a du orange, il y a du jaune. Voilà. J'ai pas fait quelque chose de trop flashy. Comme déjà sur les lèvres, j'avais un rouge à lèvres plutôt flashy. Je me suis un petit peu, comment dire, calmée sur les couleurs au niveau des yeux, pardon. Donc voilà. J'espère que Misty Maniac, ça va te plaire. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais le refaire sûrement dans. Pour aller au travail ou des choses comme ça, parce que je trouve que c'est plutôt portable, ou même pour une soirée. Après, ça dépend de vous, hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai été très contente de participer à ce concours. Qui sait, peut-être d'ici le 23 octobre, je vais faire une deuxième participation. Je ne promets pas parce que je ne sais pas encore si je vais trouver d'autres idées. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de participer pour la deuxième fois à tes concours. Je suis très fidèle pour te dire, comme tu as pu le voir. Et merci d'avoir prolongé parce que, en fait, j'ai pas dû voir ta vidéo concours parce que j'étais absente. Et je suis arrivée à temps. Merci, Misty Maniac. Peut-être qu'elle va regarder cette vidéo. Bah, sûrement, puisque je suis bête. Puisque je vais la poster en vidéo commentaire sous sa vidéo où elle annonce le concours. Ouh, on va y arriver. Donc je vais t'envoyer je sais pas, 3 ou 5 photos, je vais voir. Donc sur ta boîte mail, enfin sur ton adresse. Voilà, je vais t'envoyer les photos et tout. Voilà, donc je mettrai dans la barre d'infos le lien de la vidéo de son concours. Parce que la vidéo va être postée sur ma chaîne d'abord. Ensuite, je la mettrai en commentaire vidéo sous sa vidéo. Voilà. Je vais pas trop blabater, hein, c'était juste pour montrer la participation. Je vous remontre. La luminosité est pourrie, parce que je suis dans ma salle de bain. C'est des lumières jaunes, que ce soit plafond ou là-bas. Je vous ai déjà montré, c'est jaune. J'ai juste ma petite lumière blanche que je vous ai déjà montrée. Mon néon que j'ai acheté au Auchan, que j'ai placé là, comme ça on voit mieux ce que je fais. On dirait un peu une antillaise, non? Avec ma peau pâle, blanche, une étrangère. En fait, je crois que c'est le foulard qui donne cet effet-là, mais je trouve que c'est très joli, j'aime bien. C'est très mode, fashion.
je me lasserai jamais assez de vous montrer mes yeux. D'ailleurs, je vous remercie pour vos compliments, parce que j'ai eu des compliments là-dessus. J'avais des très jolis yeux. C'est un commentaire que j'ai depuis que je suis toute petite. Et oui, quand on a un atout, il faut le montrer, je le redis jamais assez, parce qu'il y en a qui ne montrent pas bien leurs atouts. Et oui. Donc moi, c'est mon atout le plus complimenté par rapport à mon physique, c'est mes yeux et mes cheveux. Mes cheveux. Là, je vous les ai pas trop montrés parce que je savais pas quoi faire comme coiffure. Si, y a un peu de cheveux là. Donc voilà. Je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Et allez participer au concours, ça serait sympa pour elle. Et puis voilà. Allez, salut.